Je précise pour ceux ou celles qui sont avec moi depuis longtemps, dans cette vidéo, quand même, il y a ma nièce chérie, d'accord? Coucou les filles et les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les enfants. Donc là, aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, c'est la fête des mères. Donc là, les enfants, je vous ai fait une petite vidéo juste pour faire cette intro. Et la suite avait déjà été montée. Ce sont des femmes qui vous expliquent, qui vous parlent de la femme en général. Que tu sois maman ou que tu sois pas maman, cette vidéo est pour toi, d'accord? Donc, bonne fête des mères en passant aux mamans et aux femmes. Je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Donc, ce sont des messages pour vous booster dans la live. OK? Gros bisous à vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, cette vidéo est pour toi. Donc, les enfants, gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye! Hello, merveilleuse créature, il est temps pour toi d'entendre de belles paroles, des paroles valorisantes, des paroles fortifiantes, car tu le mérites. Tu es une femme merveilleuse, tu es exceptionnelle et surtout tu es aimée et choisie de Dieu. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. J'aimerais t'encourager aujourd'hui en te rappelant que tu es quelqu'un d'unique, quelqu'un de spécial. Tu n'es pas sur cette terre par hasard. Ne doute jamais de ta valeur parce que tu as une valeur inestimable. À bientôt! Salut ma belle. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu rencontres en ce moment, mais j'aimerais juste te dire que tu n'es pas seule, que Dieu est là avec toi. Et que toutes ces blessures que tu gardes en toi depuis toutes ces années, il est capable de toutes les guérir. Donc ne te décourage pas, le meilleur reste à venir. Parce que Jésus t'aime et que tu as dû prier à ses yeux, merci d'exister. Toi, femme, oui, toi, tu es belle, tu es précieuse, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu es inestimable et Dieu t'aime, ne l'oublie pas. Tu es unique, tu es irremplaçable, tu es formidable à ta manière. Et oui, tu as ta place dans ce monde et des choses à y accomplir. Tu es unique, personne ne peut être toi et c'est ça ta plus grande force. À toi qui regardes cette vidéo, je voulais te dire ces quelques mots. Tu as de la valeur, tu es précieuse, tu es capable de tout faire. Ta seule limite, c'est toi. Alors cesse de te limiter et avance. Montre au monde ta puissance. Montre au monde à quel point tu es brillante. Montre au monde à quel point tu es une femme extraordinaire. Toi, chère femme, juste envie de t'encourager aujourd'hui à garder le sourire, quoi qu'il arrive, et à te rappeler que tu es une créature merveilleuse. Ne l'oublie jamais. Chère femme, ne laisse personne te dévaloriser, car tu as un grand potentiel. À toi qui m'écoutes, je veux te dire ce matin que tu es magnifique, ma chérie. Tu es tellement belle. Tu es combattante en plus. Prends confiance en toi. Tu as tout ce qu'il te faut pour briller. Allez, belle journée. Tu ne peux pas imaginer à quel point ce que tu es est une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Aie confiance en toi. Et tu rêves d'une autre vie, où tu marches victorieuse, car tu es l'enfant de Dieu. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un petit message pour t'encourager, pour te dire que quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, crois en toi. Va avec ton cœur et poursuis ce que la vie t'offre. Salut, tu es fabuleuse. Va de l'avant avec la force que Dieu te donne. Bisous. Coucou toi, jeune femme, plus ou moins jeune d'ailleurs, qui que tu sois ou que tu sois, sois encouragée en cette année. Et je veux vraiment te laisser ce texte de Proverbe 14, verset 1 qui dit « La femme sage bâtit sa maison ». Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ce texte est tellement riche, surtout lorsqu'on regarde un petit peu la langue originelle en hébreu. Et je ne vais pas trop m'attarder, trop m'étaler, mais en gros tout cela pour dire que la femme sage va se bâtir, se construire et bâtir autour d'elle, rebâtir, pérenniser. Et la femme insensée, concrètement, elle va se jeter
Enfin, du moins, elle va carrément se tirer une balle dans le pied. Et donc, ce qui lui a été donné comme bénédiction, ou ce qu'elle a construit, ben, elle est capable de le détruire, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot maison, ici, utilisé, ça peut être certes ta famille, tes proches, ceux qui t'entourent, la famille que tu engendres, mais pas que, tes parents, tes frères et sœurs, tes amis. Mais ça veut aussi dire ton cœur, ton corps, ton intérieur. Donc vraiment, prends soin de toi-même, chéris-toi toi-même. Et ne sois pas celle qui t'auto-détruit et ne laisse à personne ce pouvoir également. Donc voilà, que Dieu t'encourage, sois encouragée et bénie. Et l'année ayant déjà commencé, regarde si elle a commencé telle que tu voulais qu'elle commence. Il est encore temps de changer de cap et de te remettre entre les mains de Jésus qui te fortifie. Gros bisous à vous. Bye.